Hey, bonjour à tous les amis, c'est Brazil Gamer Favori. On se retrouve donc pour la boutique, la nouvelle vidéo de la boutique du jour de Fortnite du 13 février 2024. Donc, avec toujours la collaboration Deadpool avec les packs Marvel, avec le pack d'équipement de Deadpool, donc avec le Dracocorn qui sont planeurs. Sur mon scooter, une première petite emote, Chimichanga, c'est la deuxième emote. Les maillots juteux, c'est sa pioche, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez Dracocorn, donc son petit planeur pour 1500 V-Bucks. Les maillets juteux, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Sur mon scooter, c'est sa première petite emote pour 500 V-Bucks. Et Chimichanga, c'est la deuxième pour 300 V-Bucks. Donc voilà, pack à hors pack. Ensuite, donc, vous avez la collaboration Deadpool, donc avec Corbeau Pool qui revient donc en tenue série Marvel avec sa version, avec son sac de accessoires de dos, pardon, cache de Corbeau Pool. Calin Pool avec son nœud de Calin Pool, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez Corbeau Pool avec son sac de, avec son accessoire de dos, cache de Corbeau Pool pour 1500 V-Bucks. Calin Pool, donc avec son nœud de Calin Pool qui est son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks également. Ensuite, vous avez toujours le pack Blade, donc avec Blade, pardon, c'est pas le pack, mais c'est Blade, avec son épée d'Irnambule, accessoire de dos et pioche, tout ça pour 2000 V-Bucks. Le katana de Irnambule, c'est ça. Le katana de Irnambule, pardon, c'est son emote pour 300 V-Bucks. Les ailes du jaune, c'est son petit planeur pour 2200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Tortue Ninja, donc avec Leonardo en tenue hippique, avec sa version Lego, avec ses sacs de Léo, accessoires de dos. Le katana de Léo, c'est sa pioche en hippique également. Michelangelo, donc en tenue hippique, avec sa version Lego et son planche et Muchaku de Mickey, accessoires de dos hippique, et Muchaku de Mickey, qui est sa pioche hippique également. Donatello, en tenue hippique, avec sa version Lego, avec son fourreau de Donnie, accessoire de dos hippique, avec le beau de Donnie, c'est sa pioche hippique. Raphaël en tenue hippique avec sa version Lego, avec ses tuyas saïa de Raph qui est son accessoire de dos hippique, et les sailles de Raph qui est sa pioche, tout ça pour 3400 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Leonardo en tenue hippique avec sa version Lego, saille de Léo, accessoire de dos, katana de Léo, c'est sa pioche, le tout en hippique pour 1600 V-Bucks. Michelangelo en tenue hippique avec sa version Lego, avec sa planche et Muchaku de Mickey, accessoire de dos hippique, et Muchaku de Mickey, c'est sa pioche hippique également pour 1600 V-Bucks. Donatello en tenue hippique avec sa version Lego, avec son fourreau de Donnie, accessoire de dos hippique, le beau de Donnie, c'est sa pioche hippique pour 1600 V-Bucks. Raphaël en tenue hippique avec sa version Lego, avec son étui à side de Raph, accessoire de dos hippique, et side de Raph, c'est sa pioche pour 1600 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le pack Aprionil, donc avec Aprionil en tenue hippique, avec sa version Lego, avec sa caméra de canal 6, accessoire de dos hippique, la carapace de héros, c'est un accessoire de dos rare, donc parce qu'il a 4 customs, choisissez la couleur de l'accessoire de dos carapace de héros, personnalisé avec des aérosols, qu'on prend 9 aérosols à l'achat, donc vous voyez, vous avez les 4 des Tortues Ninja, plus tous les aéros, les 9, et tous ceux du code casique pour ajouter, donc les 9 aérosols, donc plaque de Tortue Ninja, pizza, tag de Raph, secret révélé, tag de Léo, roi des rats, tag de Mickey, canal 6, le tag de Donnie et là, sa petite pioche qui est son micro à scoop. Tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Aprionil en tenue hippique avec sa version Lego et sa caméra de canal 6 accessoire de dos hippique pour 1500 V-Bucks. La carapace de héros, donc avec ses 4 customs de base et ses 9 aérosols. Donc, pack de Tortue Ninja, roi des rats, tag de Léo. Secret révélé, tag de Donnie, canal 6, le tag de Mickey, la pizza, le tag de Raph, donc tout ça pour 400 V-Bucks. Ensuite, vous avez Micro à Scoop qui est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez Maître Splinter, donc alors ça c'est leur maître, c'est Splinter en tenue hippique avec sa version Lego et son sac de Splinter qui est son accessoire de dos hippique, tout ça pour 1500 V-Bucks. Le bâton de Splinter, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack instrument des Tortues Ninja, donc chacun le sien avec le clavier beau, un petit clavier hippique. Le Saitar carapacé, c'est le deuxième basse hippique. Donc la guitare, la gratte de Léo, donc un hippique. Et le micro Muchaku, c'est le micro hippique, donc chacun le sien, tout ça pour 3000 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez le clavier beau, donc le petit clavier hippique pour 1500 V-Bucks, le sitar carapacé, donc la petite basse hippique pour 1500 V-Bucks, la gradeo, la petite guitare, donc hippique pour 1500 V-Bucks, et le micro Muchaku en hippique pour 1500 V-Bucks également. Ensuite, vous avez toujours le pack percé ultime, donc avec, pour, avec les personnages, enfin avec les tenues à personnaliser, votre numéro, votre équipe, faut choisir la visière ou pas, donc avec le bagarre de mêlée en tenue hippique avec sa version Lego, le passeur acharné avec sa version Lego, le chargeur surprise en épique également avec sa version Lego, le renégat de la zone rouge avec sa version Lego et le titan de touchdown avec sa version Lego, tout ça pour 3500 V-Bucks. Hors pack, vous avez le passeur acharné en tenue hippique, donc choisissez votre équipe de la FNN préférée, votre numéro et votre style de visière, donc en épique avec sa version Lego pour 1500 V-Bucks, le bagarre de mêlée en épique avec sa version Lego pour 1500 V-Bucks, le chargeur
surprise en Epic avec sa version Lego pour 1500 E-Bucks. Le Renegade de la zone rouge en tenue Epic avec sa version Lego pour 1500 E-Bucks. Le Titan du Touchdown donc en version Lego et sa version Lego pardon, pour 1500 E-Bucks. Ensuite, vous avez le pack point bonus, donc c'est pareil, c'est même ensemble. Donc ça fait partie d'ensemble, troupes de terrain, saison 4, chapitre 2, donc tellement personnalisable. Donc avec la briseuse de barre, donc ça c'est les filles, avec sa version Lego. La coureuse latérale en épique avec sa version Lego. La maîtresse de formation en tenue épique avec sa version Lego. La remetteuse en jeu en épique avec sa version Lego. La botteuse fracassante, donc en tenue épique avec sa version Lego, tout ça pour le pick du pack pour 3500 E-Bucks. Hors pack, vous avez maîtresse de formation en tenue épique pour 1500 E-Bucks avec sa version Lego. La briseuse de barre en épique avec sa version Lego pour 1500 E-Bucks. La remetteuse en jeu en épique avec sa version Lego pour 1500 E-Bucks. La coureuse latérale en épique avec sa version Lego pour 1500 E-Bucks. La botteuse fracassante en tenue épique avec sa version Lego pour 1500 E-Bucks également, donc pack et hors pack. Ensuite, vous avez toujours le pack The Weeknd, avec The Weeknd en tenue série icône avec ses 3 customs, donc avec sa animote intégrée masquée. L'Exio accessoire de dos, la Gio c'est sa pioche, le revêtement Xio son petit revêtement d'arme, le rite tendance c'est sa petite emote, la Grazio c'est sa guitare, le Clavizio son petit clavier, tout ça pour 3500 E-Bucks, le prix du pack. Hors pack, vous avez donc Weekend Combattant en série icône avec ses 3 customs, avec masqué son emote intégré, Xio accessoire de dos pour 1800 E-Bucks, la Grazio sa guitare pour 1000 E-Bucks, le Clavizio son petit clavier pour 1000 E-Bucks, le rite tendance c'est sa petite emote pour 500 E-Bucks, la Gio c'est sa pioche pour 500 E-Bucks, voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour de l'année du dragon, donc avec Wing Kong, donc en tenue légendaire, il fait partie de l'ensemble Wing Kong, saison 2, pour un chapitre, avec sa version Lego et ses bannières royales, accessoires de dos légendaire, tout pour 2000 V-Bucks. Le Jung Bang, c'est sa pioche atypique pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Lune de la Gardienne, donc qui sort de cette saison et ce chapitre, donc en tenue rare, avec sa version Lego. Avec son réplique dragon, accessoire de dos épique, atypique, pardon, et sa dragon de jade, c'est sa pioche rare, et garde dorée, c'est son vêtement d'arme atypique, tout ça pour 1700 E-Bucks. Hors pack, vous avez Lynn la gardienne en tenue rare, avec sa version Lego, et réplique du dragon, accessoire de dos atypique pour 1200 E-Bucks. Le dragon de jade, c'est sa pioche rare pour 800 E-Bucks. La garde dorée, c'est son vêtement d'arme atypique pour 300 E-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack de l'amour dans l'air, donc avec le pack Flange Royal, donc avec la reine de cœur qui fait son retour, fait partie ensemble Flange Royal, saison 1, chapitre 3, donc avec sa version Lego, avec cœur de main, c'est son accessoire de cœur en main, pardon, son accessoire de dos rare. La masse de cœur, c'est sa pioche atypique. Et cœur de reine, c'est son vêtement d'arme atypique. Tout ça pour 1500 E-Bucks, le prix du pack. Hors pack, donc vous avez reine de cœur en tenue rare avec sa version Lego et cœur en main qui sont accessoires de dos rare pour 1200 E-Bucks. La masse de cœur, c'est sa pioche atypique pour 500 E-Bucks, pardon. Et bisous, une petite emote rare pour 500 E-Bucks. Un grand amour, c'est votre emote atypique pour 200 E-Bucks, donc c'est ces deux emotes. Ensuite, vous avez toujours Roi Kaliner, donc en tenue rare, donc avec ses deux customs, fait partie ensemble Esprit Possessif, saison 5, chapitre 2, avec sa version Lego et son sac à canard, accessoire de dos rare pour 1200 E-Bucks. Idyl qui fait son retour, donc fait partie ensemble Esprit Possessif, lui-même ensemble, pardon, réactif, les mèches s'allument quand pendant les emotes, donc voilà sa petite réactivité, avec sa version Lego et cœur éclaté, c'est son cœur rare. C'est son accessoire de dos rare, pardon, pour 1200 E-Bucks. Assaillant de transit, c'est sa pioche rare pour 800 E-Bucks. Coup de cœur, c'est son vêtement d'arme rare pour 500 E-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Tess qui fait son retour, donc avec Tess en tenue rare, pour partir ensemble hors la loi originaux, saison 5, chapitre 2. Avec sa version Lego, avec cœur piquant, c'est son accessoire de dos rare. La Happy, c'est sa pioche atypique. Le réacteur acéré, c'est son petit planeur rare. Et pour finir, vous avez cœur et cartouche, son vêtement d'arme atypique. Tout ça pour 1800 E-Bucks. Hors pack, vous avez Tess en tenue rare, avec sa version Lego et son cœur piquant, accessoire de dos rare pour 1200 E-Bucks. La Happy, c'est sa pioche atypique pour 500 E-Bucks. Le réacteur acéré, son petit planeur rare pour 800 E-Bucks. Et cœur et cartouche, son vêtement d'arme atypique pour 300 E-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez tout en finesse, une petite emote rare, donc laissez-vous vos coudes suivre le rythme saison 1 chapitre 5, donc c'est une petite emote de ce chapitre de cette saison pour 500 E-Bucks. Le pack Fierté Prismatique, donc avec Minzy qui fait son retour avec ses deux customs, une légende en devenir, fait partie ensemble Fierté Prismatique, donc saison 3 chapitre 3, donc avec ses deux customs. Avec sa version Lego, avec son roi l'arc-en-ciel, c'est son accessoire de dos rare, un crâne renégat en chamarré, donc il est réactif, accessoire de dos réagit à la musique, donc tout ça, donc c'est son accessoire de dos réactif. Le calibre brailleur, donc c'est sa pioche atypique, et le marc-en-ciel, c'est son revêtement d'armes atypique, donc tout ça pour 1500 E-Bucks. Hors pack, vous avez Mazi avec ses deux customs, en tenue rare avec sa version Lego et son roi l'arc-en-ciel, accessoire de dos réactif rare et réagit à la musique pour 1200 E-Bucks. Le calibre brailleur, c'est sa pioche atypique pour 500 E-Bucks. Le marc-en-ciel, son revêtement d'armes atypique pour 300 E-Bucks.
Ensuite, ils avaient pas croisé, donc c'était une petite emote rare. En croise, on décroise, saison 8, premier chapitre pour 500 V-Bucks. Breakdance, donc c'est une petite emote hippique, donc bouge ton corps, saison 3, premier chapitre, donc pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack toujours sonore, donc avec Sonore, donc il fait ses saisons et ses chapitres, c'est parti ensemble. Futuro Sonic, donc avec ses différentes customs, donc vous avez 3 customs, enfin 5 customs en gros, avec ou sans lunettes, et les 3 customs de base, donc. Avec sa version Lego, avec le platine Futuro Sonic, donc Futuro Sonic, pardon, qui sont histoire de dos hippiques. La pulvérisateur à résonance, c'est sa piochette hippique. Et l'écho infini, c'est son redemande atypique, tout ça pour 2200 V-Bucks. Alors pas que vous avez Sonar en tenue hippique avec sa version Lego, avec sa platine Futuro Sonic, qui sont histoire de dos hippique pour 1500 V-Bucks. Le pulvérisateur à résonance, c'est sa pioche hippique pour 1200 V-Bucks. L'écho infini, revêtement d'armes atypique pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Joker en tenue légendaire et ses 5 customs. Donc, vous avez. Il fait partie ensemble en fuite, saison 5, premier chapitre. Donc, vous avez carreau, pique, cœur, trèfle et sa version trèfle verte. Voilà. Avec sa version Lego et sa valise à menottes, accessoires de dos légendaire pour 2000 V-Bucks. Fugitif qui fait son retour également, qui fait partie ensemble des prisons, saison 4, chapitre 1. Avec ses deux customs en tenue hippique, avec sa version Lego, avec son fourre-tout accessoire de dos hippique également pour 1500 V-Bucks. Sorcière Sulfureuse qui fait son retour, donc il partit à la plage maudite saison 3, chapitre 2, avec ses deux customs, donc jeter un mauvais sort sur la plage en tenue rare, donc avec sa version Lego et son étoile imbriquée qui sont accessoires de dos. Ça, il est réactif, s'anime lors des éliminations, donc étoile imbriquée, accessoire de dos rare. Produisez votre propre éclat, le tout pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez Vantard, une petite emote rare, donc faites-leur la totale, saison 9, premier chapitre, pour 500 V-Bucks. Surf paresseux, donc pas la peine de trop se fatiguer en plus, saison 7, premier chapitre, une autre emote rare pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Typhon, donc en tenue hippique, donc avec ses deux customs, partie ensemble samouraï de la route, saison 5, premier chapitre, donc voilà, avec ou sans casque, tout simplement. Avec sa version Lego et son sabre blanc accessoire de dos hippique, tout ça pour 1500 V-Bucks. Le retour de Monsieur Tomate en hippique, donc il fera tirer ensemble livraison de pizza, saison 3, premier chapitre, avec une custom à déverrouiller, tout simplement. Donc, avec sa version Lego et son sac isotherme accessoire de dos hippique, et donc avec des quêtes supplémentaires légendaires pour débloquer des styles supplémentaires pour Monsieur Tomate pour 1500 V-Bucks. Le retour de Paline, donc avec ses 4 customs, donc une étoile obscure aînée, il fera partir ensemble étoile de nuit, saison 1, chapitre 2, donc avec sa première custom. Sa deuxième, sa troisième et donc sa quatrième custom en tenue rare avec sa version Lego, avec les ailes rugueuses qui sont accessoires de dos rares également, qui a trois customs lui aussi, donc voilà, qui suit selon son style, tout ça pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le full circulaire, une petite emote rare, donc faites des tours complets, saison X, premier chapitre, pour 500 V-Bucks. Old School, donc c'en a une autre, un style intemporel, saison 9, premier chapitre, donc rare pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours Ava. Qui a fait son retour, non, avec Ava qui fait son retour en tenue hippique. Donc, utilisez l'emote prête à jouer pour vous transformer le style tar. Et l'accessoire de dos, cœur de tar, se couvre d'effets informatiques à chaque élimination. Donc, ils sont réactifs. Donc, avec son prête à jouer, son emote intégré qui se permet de changer de suite sur son avatar pour entrer dans le système. Donc, avec sa version Lego et cœur de tar, son accessoire de dos hippique. Tout ça pour 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de la surfeuse, donc en tenue rare. Surveillez la baie, fait partie ensemble dans le trouble, saison 1, chapitre 2. Avec sa version Lego et trousse soignée qui est son accessoire de dos rare, tout ça pour 1200 V-Bucks. L'institution qui fait son retour avec ses 5 customs, son honneur vous guidera vers la victoire. Elle est l'une des 7, fait partie de l'ensemble des 7, saison 2, chapitre 3, donc avec ses plusieurs customs, avec ouvert ou non son casque, avec visier acquisition de cible, donc une. Ouais, donc si on met pas le casque, donc 1, 2, 3, 4 avec ses différentes customs, donc avec sa version Lego. Et les ailes de l'institution qui sont accessoires de dos rares, tout ça pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour de Triceratops 1 Obscur avec ses deux customs, donc en tenue et série sombre, avec sa version Lego et nouveau-né obscur qui sont accessoires de dos également de série sombre, tout ça pour 1200 V-Bucks. La mâchure, c'est sa pioche hippique pour 1200 V-Bucks. Le Pterodactyl, c'est son petit planeur hippique pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez fait vombrir les monteurs, toujours avec la McLaren 767LT, avec ses roues, donc ils sont de la même marque. Les stickers typiques, Band, Tech, Éclair, Géofade et Lyon, tout ça pour 2800 V-Bucks.
Ensuite, vous avez les trois instruments pour le Fortnite Festival, donc avec le long tube micro, donc rare pour 1000 V-Buck, la batterie de l'ordre atypique pour 500 V-Buck, le filigrane, la guitare rare pour 1000 V-Buck également. Ensuite, vous avez une trentaine de trucs musicaux pour 500 V-Buck là, pour ajouter au Fortnite Festival. Ensuite, vous êtes sur le pack de la quête, pack de quête de la slalomeuse interstellaire, donc obtenez la tenue Lynx des pistes à l'achat et accomplissez des quêtes hebdomadaires pour gagner jusqu'à 28 niveaux et dévorer des récompenses cosmiques. Accomplissez des quêtes en obtenant des jetons de gain de niveau dissimulés sur la carte du chapitre 5 avant la fin de la saison 1. Chaque semaine, des nouvelles quêtes deviennent disponibles et peuvent être accompli jusqu'à la fin de la saison le 8 mars. Donc accomplissez et déverrouillez les quêtes. Accomplissez les quêtes pour déverrouiller chaque quête un niveau entier sous forme d'XP par jeton. Semaine 1, l'accessoire de dos batterie cosmique. Semaine 2, le revêtement châtaigne cosmique à partir du 13 février à 15h. Semaine 3, la pioche taille neige cosmique à partir du 20 février à 15h. Semaine 4, le style astral pour la tenue Lynx de piste à partir du 27 février à 15h. Donc accomplir toutes les quêtes, 28 au total pour dévier toutes les récompenses. Et également gagner autant de niveaux que de quêtes que vous accomplissez. Donc vous gagnez 28 levels, tout ça pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack de quêtes de Inferno, donc pour 13,79€. Donc avec Inferno en tenue légendaire, sa version Lego, faux écarlate, sa pioche rare et brûlure, son revêtement d'armes atypiques et des quêtes légendaires, donc pour gagner jusqu'à 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes lorsque vous achetez ce pack. Il y a toujours le Fortnite pack quête d'Aqua Assassin aussi pour 9€. Donc avec le poisson taupe et ses deux custom en tenue rare, avec sa version Lego, prédateur abyssal, son accessoire de dos rare et des quêtes légendaires pour gagner jusqu'à 1000 V-Bucks. Ensuite, vous êtes sur le pack dignitaire doré pour 17,25€, toujours avec Ambroric en tenue hippique avec sa version Lego, les ailes à pointe creuse, c'est un accessoire de dos hippique, la coupeuse immaculée, c'est sa pioche rare. Ensuite, vous avez Calamité flingueuse en tenue hippique avec sa version Lego, avec son Diablo 20 biscornu, accessoire de dos hippique, la hache flingueuse, c'est sa pioche rare. Ensuite, vous avez Lauriata en tenue hippique avec sa version Lego, avec son coffre sous-marin, accessoire de dos hippique également, et la trancheuse à harpon qui est sa pioche rare. Et pour terminer, vous êtes sur le pack Sentinelle Rebelle, donc pour 18,49€, donc vous avez un accès permanent à la campagne Sauver le Monde, vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les 4 quotidiennes dans Sauver le Monde. Terminez la défense du bouclier anti-tabac de base 3 pour déverrouiller pour déverrouiller les missions pour entamer ce pack de défis, qui comprend donc la tenue d'Ara en épique, avec sa version Lego, avec le fourreau de dague épée, accessoire de dos rare, et la dague épée de mercenaire, c'est sa pioche rare. Sinon, vous êtes toujours possibilité de souscrire au Club Fortnite pour 12€ par mois. Depuis le mois de décembre 2022, vous avez l'ensemble de fidélités au club, des objets cosmiques exclusifs au club, dont une nouvelle étape est dévorée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur vos appareils compatibles, plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez les passes de combat, ils vous remboursent 150 V-Bucks. Ils vous remboursent 950 V-Bucks, pardon. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club, et ce mois-ci en cadeau, c'est toujours Lama Alain en tenue hippique avec sa version Lego. L'enceinte lama, c'est son histoire de dos hippique, et la lama, la unicorn, donc c'est sa pioche hippique, donc tout ça pour 12€ si vous souscrivez. Toujours lieu, Claude Fortnite va nous avoir entendu cette vidéo. Si c'est si vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager, c'est très important. Les amis, si la chaîne vous plaît, manifestez-vous, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir et ça aide beaucoup. Et ça aide grâce à vous, c'est grâce à vous que la chaîne existe, donc n'hésitez pas à participer un peu, entre parenthèses, à son évolution. Donc tout simplement en mettant un petit pouce bleu, c'est très important, un petit commentaire, ça fait plaisir, enfin voilà quoi, on est nombreux et j'aimerais juste qu'un petit commentaire sur mes vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Ensuite, si t'es pas encore abonné, que tu regardes mes vidéos, que la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit, tu cliques en bas à droite de la vidéo, tu peux pas activer la cloche de notification pour être notifié d'une prochaine sortie vidéo. Et pour le soutien, tu n'oublies pas, c'est le code qui a enflammé l'été 2023, qui réchauffe ton hiver 2023-2024, c'est le code de 2023, mais c'est le code de l'année 2024 maintenant, c'est le code Brasier en majuscule, en minuscule, on s'en fout, ça marche quand même, vous mettez en majuscule ou en minuscule, ça marche quand même, on s'en fout, vous mettez en minuscule, vous mettez en majuscule, en minuscule, on s'en fout, ça marche quand même, vous mettez fouillé, moi ça m'aide énormément, et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et nous on se retrouve peut-être ce soir, bye bye. Ouais.